C'est juste d'avoir tout le monde ici. Je vais aller marcher un 40, je reviens après. Je m'attendais pas à autant de personnes, c'est sûr. C'est ça qui est venu me chercher, je pense, de voir tout le monde aligné dans le début, quand j'arrivais pas, j'allais d'arriver. Ça a été très émouvant pour moi. C'était loin de me faire ça à Santa Monica. Je pensais que ça allait être peut-être un petit peu plus émotif, mais là, c'était un autre niveau de ne pas être capable de parler en avant. Mais tellement, tu sais, je pense que ça démontrait. Je voulais tellement remercier les gens puis comment que ça m'a touché, cette aventure-là. C'est que là, c'est comme tout sorti ici, puis c'était le fun de pouvoir le partager à tout le monde qui était là. Je pense que c'est venu me chercher aussi, parce que là, je sais que demain, je marche plus. Tu sais, la marche est finie, puis c'est vraiment pas la marche, mais comme l'aventure de pouvoir donner espoir à des gens. Là, je sais que ce côté-là est fini. C'est pour ça que je suis content de pouvoir continuer avec les conférences, d'essayer de partager ce message-là. Mais c'est ça qui était fou de cette aventure-là, c'est que les gens, ils n'ont pas débarqué du tout. Parce que je marchais 40 km par jour, à un moment donné, ça devient un peu redondant. J'ai pas grand-chose à dire à part j'ai marché 40 km, mais je crois que c'était le côté de faire les pensées du jour, puis les gens restaient accrochés. Tu sais, quelques fois, quand j'étais dans le milieu de nulle part, mettons, t'es dans le Kansas, tu dors dans ta tente 3 jours de suite, il y a vraiment personne. J'aurais aimé ça avoir des caméras avec moi pour que les gens voient le côté pas glamour de la chose. C'est plus difficile, mais c'est là que tous les gens qui étaient ici, je les sentais quand même avec moi. C'est que, tu sais, j'ai jamais eu un moment où j'étais là, je pourrais peut-être abandonner. C'était pas une option. Au début, les gens, ils doutaient un peu que j'allais réussir cette marche-là. Mais pour moi, ça en y allait une journée à la fois. Tu sais, je savais que j'étais capable de faire 40 km par jour. Puis là, finalement, ça s'est avéré 5482 km. Mais c'est ça la beauté de la chose. En y allant en toute petite séquence, bien, tu peux accomplir quelque chose de grand dans ta vie. Peu importe où c'est pour surmonter des épreuves difficiles. C'est ce que je dis aussi. Allez-y une journée à la fois, vous allez être capable de passer au travers.